Salut la gang, c'est Alex et Sam encore une fois pour les coulisses de ce soir pour le troisième tournage de la saison 4 de Pas de temps à perdre. On reçoit Mike Ward et la série sur le Sunday, Sam Breton, et on est sold out ce soir. Encore une fois, trois fois sold out quand même, c'est fun. On est super contents, on va vous montrer tous les moments des coulisses inédits, puis Sam va être sur les réseaux sociaux avec moi, on va faire des jeux même. Hein? Ouais, on va faire en sorte que Sam et Mike passent autant du bon temps avec nous en coulisses qu'avec Marc sur la scène. Que partout. On va avoir du fun. Merci d'être là puis bon épisode. Bye! Ben on essaie mes soutes. Ouais. Puis là, on parle de mes épaules. Ah! Ah! Un choc électrique sur une épaule, mais vraiment ça fait mal là! Ouch! Je suis sûr qu'on va avoir une brûlure. Attends. Zoom in. Zoom in. Je suis brûlé. Je suis brûlé d'une épaule. Je suis brûlé. Hey, ça fait mal là! Hey, je m'excuse. Touche-moi. Mais c'est ton affaire. C'est ta chemise qui fait ça. Je vais aller chercher du plastic guard. Pis direct. Oh! Hey! Hey! Non, excuse-moi. Tu l'as payé? Non. Thanks. C'est 2-2-0-3. Ouais, c'est ça. Oh yeah! Ça fait droit à chanteuse, danseuse. Ouais. Multitalentueuse, maquilleuse, c'est quoi? Le pire, c'est que je trouvais ça drôle parce que le monde. Hey, ta maquilleuse est tellement. J'étais pas parce que c'est drôle que le monde ait quand même fait le lien. Ah, mais tu sais, des fois, tu croises une personne une fois. Oui. Ça veut pas dire. Mais ça t'affiche, ça se dit, hey, elle est maquilleuse, elle. Ah, ils l'ont-tu dit? Non. Non, pas tout. Non, c'est ça. Dans le sens, le monde l'a associé à ici, ouais. Mettons, à ouais, c'est ça. C'est une maquilleuse. Ouais. Hey, la ta maquilleuse. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, parce que j'ai pourtant, j'ai réécouté. L'autre fois, je l'ai réécouté le lendemain matin, parce que là, quand j'ai écouté avec ma mère, là, après ça, je l'ai réécouté le lendemain soir, puis là, je l'ai mis full. Mon, mes parents ont un gros système de son, là, je l'ai mis dans le tapis, là, j'étais de même. Là, j'ai besoin de l'arbre. Là, j'avais le poil, là, si je capotais. La troisième fois, c'était la meilleure. C'est trop bien. J'étais meilleur la troisième fois. C'était déjà bon, c'était excellent, puis après ça, ça a fait, t'as dit waouh là. Mais tu sais, non, c'est parce que sur le coup, on dirait que j'écoutais juste pas là. Ben oui, j'ai. Tu sais, j'étais. Fait que tu sais, la perfo, ils mettent pas en complet, je pense pas qu'ils doivent couper un peu. J'en ai dit, j'avais aucun souvenir de ce que j'avais fait. Non, ils coupent pas, c'est comme moi, dans ma tête, j'avais tellement peur d'avoir honte de moi. J'étais comme. J'avais peur d'être comme déçu, tu sais. Moi, dans ma tête, ça avait bien été. Dans mon souvenir, c'était vraiment. C'est chouette, je suis à la télévision, ça sonne de même. Finalement, je suis vraiment content, mais comme. C'est juste une petite déception en même temps. Comme c'est long, c'est long. C'est ma déception, c'est pas par rapport à la performance, c'est par rapport à. Genre, ça n'a pas continué. Oui, t'sais. On a fait quand même. Le reste, l'expérience était. Moi, j'ai attendu genre 2 là. Ah, c'est dégueulasse. Ah non, c'est vraiment dégueulasse. Je peux même te remettre en question mille fois. Colissement. Mais si je colisse. Colissement. Si je colisse mon cœur, après ça, c'est que c'est autre, t'es ça. Ouais, c'est sûr, tu passes par mille gammes d'émotions. Comme ça, c'est plus certes, on dirait que c'est une minute dans ma tête. Genre, non, mais il y a comme pas de. Tu sais, là, mes invités vont arriver. Tu sais, Sam, je le connais bien. Mike, là, je parle en. Ok, je parle d'une gamme. Je parlerai pas aussi. Ben, continue. Non, je continue. Non, mais mettons, Sam, je le connais bien. Mike, on s'est croisé deux fois, on s'est parlé 5 minutes. Fait que moi, aussitôt que je connais pas quelqu'un nécessairement, ça me stresse plus. Je suis comme, là, il va-tu aimer le show, il va-tu, tu sais, c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir ces, de voir la vibe de la foule aussi. C'est jamais le même public. Fait que j'espère que le public va être dedans, puis j'espère que ça va être full. Mais ça, on a tous vendu nos billets. Fait que pour une troisième fois en ligne, je veux juste le rappeler. Que pour un show d'entrevue, c'est quand même crissement nice, parce que c'est pas un show qui existe habituellement, tu sais. Fait que c'est cool que le monde embarque autant. Salut! Hey guys! Bon, ok. Aujourd'hui, Marc va porter une belle chemise très. Colorée. Animale. Oui. Hein? J'aime ça. Non, mais ça festival, tu sais. Ouais, c'est festif. C'est festif, on aime ça. Avec le petit blouson qui va par-dessus, avec les petits détails chaînettes et tout. Quand même. Jeans noirs pour le bas. Mm-hmm. Ensuite, son autre look. C'est une chemise comme ça, col maro, qu'on aime bien. Ça fait tendance, c'est le fun. Avec une petite suède qui est aussi très tendance. Et puis, le pantalon avec l'élastique dans le bas. C'est pas cute, ça. Ah, ouais! OK, OK, c'est là. Okay. C'est là. Ouais, je filmais ça, je sais pas pourquoi. Nice! C'est un t-shirt. Ouais, mais là, on va porter, Marc, quoi avec qui? Ah, ça avec Mike Ward. Ouais. Il va quand même
flashait un peu parce que Mike Ward est toujours habillé en noir actuellement. Quand même, ouais. Mais je le voulais plus sobre un peu pour la deuxième, pour la première entrevue. De fou, le podcast pour cette saison-ci. Donc, une nouveauté qu'on a apportée à l'émission web. Parle-moi un petit peu, t'as fait quoi toi avant d'arriver ici? Ben, j'ai fait comme toi, j'ai suivi l'école de télévision ProMédia et eu beaucoup de plaisir. Je fais beaucoup de plateaux télé, j'ai ma propre émission aussi et j'anime les mariages, etc. Puis quand Marc-Antoine m'a demandé de venir, bien, j'ai accepté tout de suite. Je connaissais déjà le concept puis j'adore son concept. Ouais, puis c'est ça, puis j'ai entendu dire que t'as commencé à faire de l'animation de foule avant ici. Tu le faisais sur des plateaux. Ben oui, j'ai fait plusieurs plateaux de télévision. J'ai fait le show de Rousseau, j'ai fait En mode savage, j'en ai fait plusieurs. C'est vrai. J'adore l'univers. Puis t'as quel âge? Moi, j'ai 20 ans. À 20 ans? Avoir de l'expérience comme ça, on est chanceux, on est choyé d'avoir Brian avec nous. Merci Brian, ce soir, gros show! Oui, c'est un des... je pense que ça va être vraiment une gang qui va être beaucoup de plaisir avec eux. On va mettre l'ambiance, on monte l'ambiance d'un camp, encore un cran ce soir. Ouais. Alors, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Donc Brian qui réchauffe la foule avant de débuter les entrevues avec Marc-Antoine. Merci, c'était Brian. J'ai gars, avec pas de temps à perdre! Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Ooh. What a quad. Kingston, let's go. Hey. Red one. Hey, hey. Shawty got that super thing, hotter than the sun in the south of Spain. Got me soon as I walk through the door. Oh ben, c'est qui est belle homme. Ça va bien? Ça va bien. Je suis vraiment content que tu sois là. Merci de l'invitation. Moi, je suis content, Chris. On va être fun. J'espère. Pour n'essayer de pour rien, mon tabarnak. D'ailleurs, mon chèque n'est pas dans l'heure, c'est normal. C'est après, je vais voir. Ok, c'est après. C'est sûr, c'est sûr que tu fasses le show. Il y en a qui sont déjà pour ça. J'ai fait ça une fois, ok, là, tu vas le revenir. Allô? Allô, enchanté, Raphaël. Salut, enchanté. Moi, je suis une princesse, j'ai déjà des demandes. C'est ce que je pensais. Le moins possible de toutes. Oui. Puis le plus loin possible des yeux. OK. Ouais, t'as des rougeurs, c'est encore les yeux, tout ça. OK. Laisse-moi les cernes, laisse-moi tout. Fait que vas-y vraiment dans le général. OK, check-moi bien. Parce que sinon, moi, j'ai les yeux qui chauffent, ça gâche le chaud, ça gâche. Parfait, retourne. OK? Regarde-moi. Fait que là, t'as juste un peu de pression. Vas-y, je t'en regarde. C'est en 32, ça manque. Ah, arrive, mais je suis très sérieux. Ah non, je te crois. Tu finis? C'est hyper. Ça me les joues, c'est en masse. L'enfer. T'es un petit peu sec, je vais juste hydrater. Ah, j'ai oublié. Ah, oh, c'est. Hey, là, ma blonde serait pas contente. C'est ça, là, c'est pas nice. J'ai une belle petite crème à maison. Je l'ai pas mis. Pas mis ma crème. Chérie, pas mis ma crème. Pas mis ta crème. Pas mis ma crème, là, je me suis fait dire la raf à tant de temps. Voilà. Moi, tu te ça, c'est chaud. Je croise mes bras en signe de fermeture. Ah, on est où ici, là, à part Valleyfield? C'est quoi cette bâtisse-là? C'est le Val-Spec, c'est un cégep, je pense, à la base d'ici. Ça, tu me réponds avec certitude. Je viens pas de suite, bien travaillé, mais ouais. Non, c'est ça, c'est le fun. C'est le fun? Ouais, ça, j'en doute pas, c'est le fun. Ah, t'as du fun. L'AFSEC. L'AFSEC? C'est quoi, t'as dit ça? Val-Spec. Val-Spec. Tu vois, ton L'AFSEC. AFSEC, c'est un. C'est des lettres qui veulent dire quelque chose. AFSEC? Ouais. AFSEC. Ouais, ça veut dire AFSEC. Ouais, ouais, non, ça veut dire quelque chose. Je te crois. C'est sûr. Là, c'est sûr que. C'est sûr, je la goggle. Je le goggle, je vais t'en venir avec une réponse. Je bouge pas. Là, je bouge pas, là, pour pas. Hey. Fucker ton rythme. À date, ça va bien. À date, ça va bien. Ça va bien, Nasty, hein? Ouais, pour vrai. Je sais. Je pense que c'est une de tes bonnes shots pour vrai. Pour vrai, oui. Je t'ai jamais le faire, je pense que c'est un moment culminant dans ma carrière. Ouais. Je te jure. Comme là, avec ta petite éponge, là, t'avais beaucoup d'assurance pour une fille, que j'ai dû faire attention, puis t'as vraiment été bonne. Tac, 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 tac. Rapido, j'enlève tes petits rougeurs, pas près des yeux. Non. Rapido. Ta face est chill. Ta face est chill, là, c'est ça.
Es-tu devenu mon chum, mais ça c'est un gag de mon oncle, on n'a jamais assez. Qu'est-ce que tu j'ai-tu fait un gag de mon oncle? Mais non, c'est moi qui ai dit un gag de mon oncle. Excuse-moi, je suis désolé. J'ai passé tout avant qu'on fasse l'entrevue. Ah non, Chris, gardien, les gambots du stock, toi. C'était quoi la question, excuse-moi? Es-tu devenu joueur à Valspec? Non. Hey, c'est AFSEC, c'est ce que ça veut dire, toi, AFSEC? AFSEC, non? C'est quoi? Ça veut dire? je vais le trouver. Non, c'est Valspec. Mais non, ici, c'est ça. Ouais. Mais AFSEC. C'est des lettres qui veulent dire quelque chose. AVSEC. 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 SEC. Non? SEC. SEC. SEC ou pas? SEC. OK. Ouais. AVSEC. Aucune idée. Mais check donc ça, c'est ton. Pour vrai, je te jure que je suis obsédé. C'est pas moi qui ai mon téléphone. Ah, mais je vais le faire. C'est à moi de le faire. Raph, c'est pas faire OK. Raph, ouf! Ouf! Oh, Oui! Ça fait plaisir! Bon! Hey, enchanté, Badou! Oui, j'ai toute la lune, je suis supervisé. Je m'assure que tu passes. Non, mais j'ai tant de bonnes mains. Je tiens à te le dire. Non, mais oui, vraiment. T'as bien fait ça pour vrai. T'as égalisé le pain, mais rien du tout genre. Mais c'est vrai, je le dis. Peu importe l'émission, peu importe la chaîne. Donc, ce que tu sais pas, c'est que moi, je suis une vieille amie de ta blonde. Mange la merde. Je te jure. Pas vrai. On allait au secondaire ensemble. Moi, je viens de Québec, la Rive-Sud, je viens de Saint-Romuald. Okay. On a joué au soccer ensemble, on est allé à Leslie. Oui! On est allé au cégep Sainte-Foy à l'université. Là, vous me racontez pas, là, des belles vernes, je te jure que c'est vrai. OK. Là, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais vu, j'y avais parlé. Bref, tout ça pour dire que peut-être qu'on va se revoir à l'extérieur du show parce que jusque d'aller prendre un verre avec ta blonde. OK. Donc, le premier jeu, ça s'intitule... Le nom de la blonde, c'est quoi? C'est Mireille. OK, c'est bon. Là, qu'il y a que ce soit pas là... OK. Fait que le premier jeu, ça s'intitule... Qui connaît mieux Sam Breton? OK. Sam Breton ou sa blonde? OK. Bon, ça? Donc, on commence. Tu l'as appelé? Là, vous ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. OK! Mais oui, OK! OK! Donc, la première question, quel est le mets préféré de Samuel? Samuel, je sais pas Samuel, mais Sam, ça va être... Là, tu me dis ça, mais là, elle aurait réfléchi longtemps. Je pense à qu'est-ce qu'elle... Elle a dû jouer safe avec des burgers. Eh, hey, bonne réponse! Au palais! Deuxième question, son film préféré? Elle doit avoir dit, et je te répondrai aussi, je pense qu'il y en a deux. Elle a dû commencer, elle a dû jouer safe avec les boys. Ah ouais, c'est ça? C'est bon. Wow. OK, son char de rêve, ou du moins la marque. Ben là, Chris, moi-même, je ne suis pas vraiment un gars de char. Elle nous a dit ça aussi, c'est, ouais, ça part bien. Ah, tu vois? Ouais. Après 6 ans de couple. Si, au printemps. Ben écoute, on a déjà parlé du Naudi. Let's go! Hey, c'est bon! Hey, c'est ça! Bon Dieu, on est vraiment fait un pour l'autre! Bon, on nous a dit que t'étais pas un grand voyageur, mais j'ai quand même posé la question, quel serait l'endroit où Sam aimerait aller dans un futur prochain voyage? Mon Dieu, j'irai où tu iras. Qu'importe l'endroit. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit d'habitude, c'est moi qui choisis le voyage. Exactement. Moi, je la suis là-dedans. J'y fais totalement confiance. Faut. Je dirais Europe, là. En Europe, c'est sûr. Ouais, c'est trop large. Trop large, pas de problème. On va te rappeler ça. Y'a pas de problème. C'est dans tes racines, là. Ouais. Ben, c'est ça que j'allais dire, ouais. La Grande-Bretagne. Ouais. Ouais. Ouais, voilà. Très bon. Dernière question. On est trop target. C'est bon. Ah non, il en reste deux. La pire place où tu irais pas. Place où tu irais pas en voyage. L'Inde? La Thaïlande? L'Inde? C'est ça qu'on parle à l'Inde. C'est ça qu'elle a appelé. Non. Elle dit Thaïlande. Toi, tu dis l'Inde. Thaïlande. Mais c'est parce que pour de vrai,
on a vraiment une très bonne communication. Ah, ouais, on n'a jamais de gants blancs, on se dit toujours tu comprends. Parle-moi de ça du monde qui s'écoute. Communication dans un groupe. Là, je suis quasiment un peu content nous deux. Là. Oh, c'est un beau moment. Au montage, je vais pouvoir mettre des cœurs autour. Ben oui. Mon Dieu, c'est le fun. Dernière question, la phobie de Sam. La phobie? Au départ, elle a dit qu'il n'y en a pas. Mais ouais. Après ça, elle a cliqué tout de suite. Elle m'a dit, hey, non, c'est ben ça. Non. Hey, quoi? On n'a jamais parlé de ça, mais là je l'aurais pas. Mais toi, pense pas à est-ce qu'elle aurait pu. Ben non, 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 mais même moi, la phobie. La phobie. C'est ça l'affaire qui arrive. 5, 4. Ah, j'ai du temps, je pensais que t'allais me donner un indice. 3, 2, 1. Je sais pas, la phobie de quoi? Manger avec les requins. Ah, tabarnak! Cette phobie-là! Oh, wow! Ok, ouais, la fameuse rachinophobie. Mais c'est pas grave parce que t'en as eu 5 sur 6, ce qui fait quand même une très très bonne moyenne. Ben oui, je suis content. Écoute, j'ai un cadeau pour toi. Tu parles d'elle, la phobie? Ah, non, j'ai rien. Wow, hey, c'est fun! Ça, c'est votre spot. OK. Puis, c'est ça. Fait que, dans le fond, Mike, il se pourrait arriver à 8h. Il va être dans la loge en face. Fait que nous autres, on va fermer votre porte. Le show commence avec Mike à 8h30. Puis là, toi, tu vas être au début, je vais te présenter, tu vas venir avec l'alcool. Puis Yann, tu vas être à la fin. Désolé, je vais vous mettre séparés pour pas, parce que vous allez faire un switch de micro. Lui, il va se faire micer par Joe, qui est rendu en haut. Puis après ça, il va te démarquer, il va te donner le mic. Bon, on continue à parler, on continue l'entrevue, puis à la fin, on va parler de sous-écoute. Puis c'est pour ça que je t'amène, j'ai des questions. Puis à la fin, si tu veux plugger n'importe quoi, on te plug. Puis comme je dis à mes infos aussi, moi je passe un sujet, si toi t'as une autre réponse, puis tu veux parler. Tu sais, tu comprends, on. J'ai une ligne directrice, mais moi je dis, on part. À gauche, à droite, puis ça va être juste le fun. T'sais. OK. Fait que je pense bien que Mike va être bien content de voir. Fait que je comprends bien, là, la toilette. On est-tu les seuls deux surprises? Ouais. Mais t'as pas trouvé mieux que nous autres. Non, mais moi, je trouve ça plus cool, justement. Je trouve ça vraiment nice. Ouais, hein? Ouais, un petit peu, mais. Tu sais, vous le voyez à tous les semaines dans le monde. Ouais, tu sais, fait que. Je trouve ça cool. Il va être content de voir Gabi. Ouais. Ah, ouais, c'est vrai, hein. Ça, c'est parce que moi, je parle à toutes les semaines, tu sais. Fait que. Ouais. Tu sais, mais Gabi. C'est pas pareil. Ouais. Ouais, je savais pas. Écoute, je vais acheter. Non, c'est en fait, ça sera pour moi. Y a pas de tu je vais te le payer. Je pense que j'ai oublié de ramasser la facture. Fait qu'au pire, je la garde. Puis tu sais, juste ça dans le sang. Parfait, pas de stress. Mais merci d'être là, mon gars. Ça fait plaisir. On se revoit tantôt. Là, je vais vous fermer la porte. Puis. Ben Sam, il peut le voir, man. On est surpris, c'est pour Mike. Ok. C'est pour ah, c'est pour Mike. Pour Mike. Hey, salut Sam. Ça va bien, toi? Ouais. Ben, surprise, Mike. Allô, ça va? Sam, ça va très bien. Good. Ouais. Puis j'ai une question. Toi, tu vas être invité? Vous avez ouais, moi, je fais chaud d'avant. Mike, ouais, chaud d'avant. On a fait un petit setup. C'est ça? Moi, je pense que c'est ça. On pense que nous autres, on fait juste des surprises. Ah, mais l'an prochain, qu'est-ce que je comprends? C'est ça, avec la gueule. Ah, mais c'est cool. Ouais, c'est cool. Ben, j'en prends. Ça, c'est mon père, ça. C'est facile, là. Je peux même te parler en même temps. Hey, ma caméra. Oui, c'est pas de mon père. Et voilà, j'ai le bruit de ta place. Hey, tout mélangé. Hey, ma caméra. Macarena, donc, deuxième danse, on a entendu que t'es un professionnel de ce style de danse. Je sais où tu t'en vas. Je sais où ce que tu t'en vas avec ça. Je me mets déjà de côté. Ça sera pas bien long. Mais mettre déjà de côté. Donc, sur la chanson River of Babylon. Ben oui, je savais que. Aussitôt que t'as dit donc, ça. Donc, sur la chanson de River of Babylon, je t'invite à faire un set carré. Un set, ouais, si tu veux.
J'aurais plus dit continental, mais si tu appelles ça un 7 carré, ça me dérange pas. Danse sociale. L'intro est longue, par contre. Ah, vous l'avez coupé. Ok, tu veux, j'ai parti. Hey, ha, ha, ha. 3, 4, tu m'attends. Je fais de l'arrière, attention. Je salue mon ami Jay Dutant, bon passage, avec qui je danse toujours ça avec lui quand on est bien chaud dans un bar. Là, c'est assez facile. Le coup de pied, le fouetter, la dose. Tu t'embarques pas avec moi parce que. Capable de suivre. Ensemble, le dépasseur, le devant. Oh, 4, 5, 6. Hey. Hey. Oh, yeah, on enchaîne. La danse énorme. C'est ça, la danse des canards. Comment commence. Yeah, bravo! Et la dernière! Okay. Il en reste une! Et après ça, on embarque sur la scène. Hey, je réalise, j'ai jamais dansé la danse des canards. J'ai souvent mis dans le temps que j'animais, mais je pense que j'ai jamais dansé la danse des canards. Ok, monte le son! Hey, ça, fuck! Ça, c'est la SketchUp, c'est cette petite guenille-là du Christ, du diable, là. Hey, ça, je pourrais. C'est parti, attention! Sans mon temps, mesdames et messieurs! Ça, je te suis. Hey, hey! Achip, 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 nous sommes en confiance, c'était le fun. Merci, Sam, mon père de participer au jeu. Merci la gang. Quand t'avais écrit ça, ils ont regardé. Non, mais là, il faut qu'on embrasse les enfants. Elle fait de la même affaire. Il s'est pensé, c'est ça, il venait de le compter. Ah, c'est que c'est fort, maman. Je pensais que c'était tout de l'eau. Il y a un succès. C'est quand même une grosse équipe. Des bons amis. Oui, mais c'est impressionnant. Ouais, mais c'est parce qu'avant, on faisait ça, mettons, comme dans un studio. Puis là, quand ils m'ont dit ça, la saison, ils m'ont dit on aimerait ça, mettons, que tu tournes tes émissions à Balspec, tu sais. J'ai dit, ah, ça serait cool, justement, si t'as encore des loches, on fasse ça. Comme si on faisait un show télé, tu sais. Puis là, j'ai demandé, je dis, mettons, tu sais, pour. Des pinottes, ben viendriez-vous, tu sais, pis là tout le monde, ok, ça va être cool. Tu sais, mettons, j'avais déjà une bonne base de caméraman, pis que d'autres craqué les gars de création Webson, Joe qui est président de ça. Pis là, de fil en aiguille, j'ai trois amis, tu sais, lui étudié pour être animateur à la même place que moi. C'est-tu juste sur YouTube ou tu le vends à quelqu'un? C'est juste sur YouTube. Ok. Ouais, fait que comment tu fais pour payer pour tout ça? Moi là, je prends le reste des billets, je paye un peu tout le monde ici, puis moi, okay. J'habite chez mes parents, ouais, fait que tu sais, mettons que ça, c'est sûr que ça m'aide. Si j'avais un loyer, il faudrait que je fasse autre chose. Fait que mes parents sont comme. Je vais peut-être partir à Patreon, mais c'est parce qu'en même temps, juste comme je disais, je dis Patreon, c'est hard quand t'as du contenu toutes les semaines. Disons qu'on en tourne 8. Ouais. Le monde va faire. Je paye, mais 2 mois, puis après ça, j'ai plus rien. T'sais. Faut vraiment que le monde sente comme si. C'est ton Patreon, il hein, faudrait. Ouais, si t'en sors je suis, ça fait chier, tu sais, de juste en sortir un par mois. C'est ça. Fait que là, ben, tu sais, on a pensé, tu sais, des fois, j'allais couvrir le tapis rouge, je faisais des niaiseries au gars artistes ou whatever, tu sais. Fait que, tu sais, mettons ça, je pourrais sortir des. Une couple de topos quand je vais dans des festivals. On est prêts? Parfait. Est-ce qu'il y a de l'eau sur scène? Oui. Non. Non, les bouts d'eau, je vais aller voir à. Mike, bon. T'as-tu donné une bouteille d'eau? Non, mais j'ai vodka pour vous dire. C'est sûr que j'ai gagné. Ok, ouais. Ben, tiens, Julien. Il est parti. Je vais monter avec mon verre. Ah, parfait. Ouais, on va monter. Bon show, les amis. Yes. Yep, bon show. Merci, Mike. Ça fait plaisir. C'est vraiment vrai. Fait que ma boîte de céréales, es-tu là aussi? Ouais. Ah ouais, Marc l'a placé. Marc l'a placé. Ouais. Fait que Yann, c'est à ton tour. On s'en va surprendre Mike. Ça va surprendre Mike.
C'est à ton tour, l'invité spécial pour Mike ce soir au show. La marque. C'est parti. Yes, la gang. C'est ici. Mike, en haut. Ici, en haut. Il y a du bain du monde. Ouais. On est sold out. 120 personnes. C'est ça qui est fait, c'est que nous autres, à cette heure qu'on fait un podcast, on voit tout l'effort qui est mis là-dedans, mais le monde, il vient de s'asseoir ici, puis je suis pas sûr qu'il y ait. À part le père à Marc-Antoine, il n'y a pas personne qui apprécie. Tu sais, il y a de l'effort de lui, ça n'a pas de sens. Bien. C'est vraiment le fun. C'est la réclame. Vous avez aimé ça? Oui, ben oui, c'est impressionnant. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Merci, Gab. C'est vraiment un plaisir. Y a-tu de l'effet? Y a-tu comme un genre de film? Avec Gabby Tibi. Ils sont vraiment cool. Les photos. Puis c'est ça. Ça, c'est la photo. Ils m'ont engagé Michel comme photographe. Mais encore, il s'anime dehors. Non. Mike, je peux-tu te reposer les mêmes questions pour notre compte Instagram? Ouais, mais je t'ai posé en haut. Parfait. Ça va être d'autres réponses. Mike, tes impressions. J'aime ça le monde qui font des trucs par passion. C'est là qu'on voit que vous, vous faites ça par passion, puis pas par argent. Pas pour l'argent, puis j'espère que la. Grosse soirée, on est content. Ouais, à bien été. Merci Michel. Hey, salut, merci, merci, merci encore. Merci. Salut beauté. T'es fine. C'est vraiment le fun. Fait qu'on se voit le 3 avril. Oui, le 3. Ah, c'est que j'ai hâte. Ah, moi aussi. Ah, ouais, on va voir, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Hein? En fait, je pensais que t'allais. Tu pensais qu'on s'en sortait pas. Je suis perdu le rendez-vous avec les peanuts. Le choix de parler pour la jute. Là, Yann parlait des peanuts. À vous, hein, ça laisse un petit coup. Merci beaucoup, Amin. Merci à toi. À la prochaine. Bon retour. Salut. 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 Ça avait de valeur, mais elle a fait. Bon, Danks, tu veux mettre ta soirée? Marx, on filme le haut. Comment t'as trouvé ta soirée? Je pense que c'était mon highlight depuis qu'on était à Valspec. Sam et Mike. C'était. Christ, pour vrai, c'était épique. À date, là, il n'y a pas grand invité qui ont accoté ces deux-là. Ils ont donné un esti de bon show. Ça a donné une crise de bon show à Valspec. Ils ont tout donné. Puis moi, je suis exténué, esti. J'ai hâte d'aller prendre une bière. C'est ça, j'ai hâte. Parce que. Tout à fait d'accord, man. Puis, hey, pour vrai, je suis pas fier de toi, mon homme. C'était tout qu'un show. On est fier de toi. Puis on va avoir encore un autre beau tournage pour finir la saison. Oui, Phil Roy, Michel Charette. Esti, ça va être malade. Let's go! On regarde ça. Halloween, quand vous allez voir ça, ils vont déjà être faits, les tournages. Hey, on vous dit sur ce. Avec ma grande chum Sab, Marc, merci à tous et on se revoit ben, la semaine prochaine pour une autre vidéo des coulisses. Ciao tout le monde!